Kimag est une présentation de E-Wool. Activez la chaleur. Cette émission est rendue possible grâce à Destination BC Supernatural British Columbia. Direction Kelowna, Colombie-Britannique. Après un peu plus de 4 heures de vol, notre transport nous attend pour un trajet de 45 minutes vers la station de ski Big White. La température est anormalement glaciale. Il vente beaucoup. La neige est sèche, même craquante sous nos pieds. Nous sommes à Big White et Charles, je dirais même, on est à Big White and Blue. C'est magnifique. Charles, t'es établi ici, mais t'es un gars qui est très connu dans les Laurentides, à Tremblant. Oui. C'est ma 9e saison ici à Big White. Bon, alors tu connais la montagne au complet. Tu nous reçois ici aujourd'hui, en plus, avec de la belle nouvelle neige. Oui, on a reçu de la neige en quantité intéressante cette semaine. Et pour la mi-janvier, c'est des conditions exceptionnelles. Puis comment on attaque la montagne? On va commencer par le secteur Black Forest, où qui est un peu plus boisé, un peu plus court, avec un super beau lodge pour dîner. Bon, alors je te suis. Excellent! Je sais pas, Charles, là, mais ça a l'air fermé, ça. Michel, c'est fermé, malheureusement. À cause du froid? Oui, le froid intense qui sévit. C'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça. Mais si tout est fermé, on fait quoi? Laisse-moi ça dans les mains, j'ai un plan B. OK. Laisse-moi travailler là-dessus, je te reviens. Salut, Andrew, c'est Charles Castonguay. Écoute, on a vraiment besoin d'un gros service. On a besoin de remonter en haut pour tourner. Ce serait possible d'avoir une motoneige. On aimerait ça avoir toute l'équipe en haut pour pouvoir filmer. Oui? Écoute, je sais que c'est... Oui. All right. Super. Merci beaucoup, Andrew. Ça, c'est vraiment hot. OK. On te remercie. All right. Good. OK. On est en business. Bon, situation vraiment exceptionnelle. On vient d'apprendre, il y a une demi-heure, que la montagne va demeurer fermée toute la journée. C'est un record de froid. Le plus froid qu'il a fait ici, c'était moins 27 il y a quelques années. Mais là, exceptionnellement, il fait moins 30. En montagne, il paraît qu'il y a du vent. C'est un facteur vent de moins 46. Alors, situation exceptionnelle. Ils ferment la montagne, mais ils sont tellement gentils ici. Ils nous ont prêté des skidoos, c'est-à-dire qu'ils vont nous amener en haut de Black Forest. On va vous montrer du ski parce que Ski Mag, il n'y a rien qui nous arrête. Miguel est le prochain à partir. Charles est déjà rendu. Ils nous attendent dans un refuge en haut d'une remontée. Alors, ça, c'est mon lift. Et puis, non seulement on est chanceux d'avoir des gens qui sont super coopératifs avec nous autres, en plus, ils parlent français. Oui. Comment tu t'appelles? Louis-Charles. Salut, Louis-Charles. Un gros merci de faire ça. Ah. Quand même gentil de la part de la montagne de nous monter. Regarde le soleil, la neige, c'est beau, là, par exemple. C'est vraiment exceptionnel. On est vraiment privilégiés pour nous autres. Oui, c'est vrai. Ils ont déplacé mer et montagne. Montagne, c'est le cas de le dire. Est-ce que ça change ton plan? On commence par quoi? Non, on va quand même descendre Black Forest. On va descendre jusqu'en bas. On va prendre Whiskey Jack. OK. Ouais. Je suis. Bien que le soleil soit au rendez-vous et que la couverture neigeuse soit abondante, la surface à cause du froid est très abrasive. La glisse n'est pas si facile. Alors, en arrière, Michel, on a la chaîne des montagnes, les Monashees. Les Monashees, ça, ouais. C'est des montagnes, là,
où il se fait beaucoup de ski d'hélicoptère. Là. Exact. Entre autres, Mike Wigley, CMH, les gros tour opérateurs. On a beaucoup de cat skiing aussi. Alors, si on a un budget montagne, ben, on est en plein dans le cœur de l'action. On est vraiment proche. Intéressant à Big White, c'est qu'on peut skier entre chaque piste. La majorité du temps, là, tu vas pouvoir trouver un sous-bois à côté de la piste, puis retourner dans la piste. C'est ce qui fait la beauté et vraiment le charme de Big White. Mais en tout cas, ici, là, c'est beau. Hey, le contraste du bleu et du blanc, là, c'est vraiment... Là, je sais pas si ça va paraître à la télévision, mais en ce moment, c'est éclatant. Wow! Là, on va s'en aller entre Whiskey Jack et Cougar. Allez, un beau petit blade, c'est le fun. Michael, we're celebrating 60 years of Big White. How exciting! Yeah, you know, and the original owners are still alive. We interviewed them in the summertime. I mean, the road that you come up to Big White Ski Resort is still the original road. And the stories that they have of 1961, 1962, you know, on snowshoes coming up here when it's 24 feet of snow, it's just absolutely magic. But didn't they pick the right mountain to build? And I think the magic, in my opinion, is how they designed the place, how they just set it up, no? Yeah, you know, Mother Nature, five distinctive bowls. We're facing south, so you're always skiing with the sun in your face. It's really a kiss right on the lips. On a skié Black Forest, on s'est rendu ici au village. D'ici, on va redescendre à la base, au centre de la station, où on retrouve les trois chaises principales, Plaza Chair, Ridge Rocket Express et Snow Ghost Express. Big White se classe comme étant la meilleure station de ski canadienne pour la famille. Avec ses 119 pistes, 16 remontées mécaniques, le domaine s'étend sur 7355 acres. Les arbres momifiés sont aussi très caractéristiques de cette station. Restez là, nous revenons tout de suite après cette pause.
Charles, quand je regarde le plan de la montagne, la première chose qui impressionne, c'est le sens du village. C'est un village piétonnier, c'est un village skieur même. Oui, puis c'est vraiment exceptionnel ici parce que tu peux skier à travers le village pour te rendre dans différents endroits, mais c'est vraiment spécial. Everything is about skiing, ski out. And just using what Mother Nature have given to us. You know, we now have non-stop flights from Montreal with Air Canada. The airport is the 10th busiest airport in all of Canada. So it's easy to get here now. And we're only 45 minutes away from the airport. And what a lot of people don't realize, they don't need a car when they come to Big White Ski Resort. Everything is ski in, ski out. They can walk to everything. And so it really makes for a great ski holiday. Puis, Michel, on est à la base de la station Happy Valley. Et là, on va prendre la télécabine, la gondole, jusqu'au village. Et de là, on va monter dans le secteur de Ridge Rocket Chair pour aller skier Paradise Glades. Alors ça, c'est ouvert, un peu oui. Plus avec. Oui, un peu plus avec, ouvert, entre deux pistes. C'est dans ce secteur du village que l'on retrouve le centre d'activité et l'immense patinoire. You were instrumental in making the first ice rink appear here, right? Well, I come from St. Boniface in Winnipeg, and you know, skating and hockey was always my background. That's the highest skating rink in Canada. You know, our Zamboni is the highest Zamboni that clears the ice in all of Canada. But 98% of Canadians have a pair of skates. So they come here, it's part of their ski holiday, the tubing park, the dog sledding, the horse-drawn sleigh rides. We try to create that magic that is such a Canadian experience for visitors from Australia, New Zealand, the UK, and it's really been part of supernatural British Columbia. Alors, combien de temps la remontée ici? Michel, environ 4 à 5 minutes pour la remontée. Alors, c'est juste pour relier les deux niveaux du village. Exact. La base de la station Happy Valley, c'est le principal stationnement, le centre d'activité pour la soirée. La patinoire. La patinoire, les glissades sur tube et, oui. Et puis tout le secteur s'est éclairé le soir. Oui, donc, il y a de la vie, ça bouge. Tout le secteur est éclairé le soir. Ouais. Donc, ça a de la vie. Hein? Oui, ça bouge énormément. Bon, allons-y, les motoneiges nous attendent. On remonte. nos remontées privées. Oui. Du ski en motoneige. Coupé pour essayer d'arriver à Winter Ridge, quelque part dans ce coin-là. Là. La température n'a pas bougé depuis notre dernière montée. Merci, toujours autour de moins 32, plus le facteur vent qui nous donne une sensation d'environ moins 46 degrés Celsius. Alors là, c'est pas la même destination, hein, tu sais. Okay. Heureusement qu'un peu plus tôt, nous nous sommes bien préparés. Les multicouches de vêtements sont essentielles. Nos différents vêtements chauffants ont rechargé facilement avec le système aimanté. Avec la veste, les bas et les gants, nous sommes bien préparés. Sous les bas chauffants, l'on conseille un bas Merino de faible densité pour un meilleur ajustement dans les bottes de ski. On dit toujours que quand le corps est chaud, les extrémités ne gèlent pas. Par contre, à des froids vraiment extrêmes comme on a aujourd'hui, bien là, on met toutes les chances de notre côté. Alors, pas seulement les gants, mais aussi les pieds. Bas chauffants, veste chauffante, gants chauffants. Je vais vraiment être bien équipé. Alors, je vais profiter au maximum de ma vacance ici à Big White. Aujourd'hui, je suis excité d'entraîner un nouveau gant de la part de Auclair. Je trouve que c'est très bien conçu. Ils ont une doublure intérieure qui tient en place avec des boutons de pression. Alors, ça s'enlève très facilement. C'est vraiment comme excellent comme manutention. Et ça permet d'insérer mon gant chauffant E-Wall à l'intérieur. Et mon gant, il est très, très malléable, alors très confortable. C'est important des fois, quand il fait froid, là, de ne pas avoir un gant qui est trop serré. Au fond, on se bloque la circulation. Alors là, moi, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai une bonne circulation et j'ai un gant chauffant. Et ce que j'aime de ce système-là, c'est qu'il fait particulièrement froid aujourd'hui. C'est possible que les piles ne durent pas jusqu'à la fin de la journée. Alors, en fin de journée, je pourrais tout simplement réinsérer la doublure qui est fournie avec le gant Auclair. Alors, belle collaboration entre deux compagnies québécoises, Auclair et E-Wall. Michel, là, on est au début de Paradise Exhibition. On peut descendre une des pistes d'amis, mais on va faire le milieu.
Le milieu, c'est un boisé dégagé. C'est vraiment le fun, c'est plaisant. Si jamais la neige n'est pas belle, peu importe où c'était fatigué, on tourne et on retourne dans la piste d'amé. Big White, c'est comme ça presque partout. Bien, c'est ça que j'ai remarqué, puis c'est pratique quand même. Quelqu'un qui vient, par exemple, en couple, là, les deux niveaux de skieurs pas tout à fait pareils. Une personne peut prendre le sous-bois, une personne peut prendre la piste plus damée à côté, c'est facile. Puis on se rejoint, on se voit, on se perd pas de vue. Là. Non, on se perd pas de vue. C'est des secteurs qui sont super dégagés, super intéressants. C'est vraiment le fun à skier. Dernière descente sur une montagne juste pour nous se font au coucher du soleil. C'était tout simplement féerique.
La chronique équipement présentée par L'Accordé, votre spécialiste plein air depuis plus de 70 ans. Robert, comme expert en ski de fond, tu vois l'avènement des skis de fond à peau. Comment ça fonctionne? Puis est-ce que c'est mieux qu'un ski de partage? Hey, bonne question, Michel. Merci de la poser. Ça me permet de un peu débroussailler la question parce que plusieurs personnes ne jurent que par le ski à farté. Et il y en a d'autres maintenant qui commencent à skier, la pratique du ski de fond, vont ne jurer que par le ski à peau. Donc, c'est bien de faire la différence entre les deux. Parce que moi, je crois, et plusieurs aussi skieurs expérimentés croient, que le ski de fond à farté est un ski plus performant. C'est-à-dire, à cause de la pochette de fartage qu'on établit en rapport avec le poids de la personne, avec sa qualité de skieur, on va vraiment chercher la zone idéale, c'est-à-dire minimum maximum, pour avoir un maximum de glisse. De glisse et aussi de pouvoir coller à la neige pour pouvoir se propulser. C'est ça. Là où on vient chercher les bienfaits du ski de fond à peau, on a une peau encastrée dans la base. Par contre, on peut bouger la fixation pour apporter plus d'accroche au besoin et plus de glisse au besoin. Donc, avancer plus d'accroche, reculer plus de glisse. Et ça peut se faire par le skieur lui-même. Oui, c'est très facile, pas besoin d'outils. Par contre, le ski à peau va être efficace là où le ski à farté l'est moins, dans le fond. C'est avoir les conditions plus chaudes, donc une neige mouillée, collante. Le ski à peau va très bien s'agripper à la neige. Conditions glacées aussi, avec les changements climatiques, puis aussi avec le nombre de skieurs sur les pistes. Souvent, les descentes ou les faux plats vont être un peu glacées. La peau va être beaucoup plus adhérente. Donc, elle semble avoir juste des avantages? Non. Dans des conditions plus de neige fraîche, alors la peau, la fibre de la peau va pas adhérer aussi bien qu'avec sur une neige tapée plus ferme. Ce qu'on peut faire pour pallier à ça, si on est avec quelqu'un, on le laisse passer en avant de nous. Il tape la neige, c'est ça. Ou sinon, on peut avancer la fixation au maximum. À ce moment-là, le poids de la personne est plus sur le devant du ski, donc va écraser un peu mieux la neige. Oui, puis les peaux, à ce moment-là, permettent une bonne économie, en plus de préserver l'environnement, parce qu'on n'utilise pas autant de phares qui peuvent être dommageables à long terme pour les sentiers. Tout à fait, tout à fait. Malgré que les peaux, on peut les entretenir minimalement, par contre. C'est pas un entretien quotidien. On a un produit qui va permettre la protection de la peau, c'est-à-dire qui va empêcher la neige collante de s'accumuler sous le pied, donc coller dans les fibres, et puis... Ça, c'est un produit qu'on utilise au besoin. Puis, on a un nettoyeur qui est une espèce de solvant léger qui va permettre de dégager les fibres qui sont agglutinées par des cols ou du clister. Même de la résine de sapin, parce qu'on est dans un environnement naturel. Tout à fait, oui, exactement. Bien, Robert, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les skis de fond à peau. C'est un bel outil pour les skieurs maintenant. Tout à fait. On en voit de plus en plus. Merci. Une journée de ski à Big White se termine au Snowshoe Sam's. Oh. Hey, mission accomplie, les gars. Franchement, là, on pourra pas dire que c'était épique, mais c'était historique. Effectivement. Mais c'est la réalité de la vie, là. Quand on planifie un voyage de ski, c'est longtemps d'avance. Et on sait jamais à quoi on va s'attendre. Ben, exactement. Mais il faut savoir s'adapter. Il faut savoir tirer du meilleur. Et peu importe, situation. On a des belles journées. Exactement. On a eu une super belle journée et on ne le regrette pas. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Dans notre prochain épisode, les remontées mécaniques sont ouvertes. Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. Merci à nos nombreux partenaires. SkiMag vous a été présenté par eWool.
activer la chaleur. Merci à Destination BC Supernatural British Columbia et à la station de ski Big White.